Voici la nouvelle tête dirigeante du Brésil pour les 6 prochains mois et sans doute plus. Michel Temer a pris ce jeudi la tête du géant sud-américain après la destitution dans la journée de sa présidente Dilma Rousseff. Celui qui était jusqu'alors vice-président met fin à 13 années de pouvoir de gauche au Brésil. Il faut rétablir la crédibilité du Brésil, a-t-il déclaré juste après sa prise de fonction. Mon premier mot au peuple brésilien sera le mot confiance. Confiance dans notre caractère, dans la vitalité de notre démocratie, dans la récupération de notre économie. Unis, nous pourrons relever les défis de ce moment de grande difficulté. J'ai l'absolue conviction qu'il est nécessaire de regagner la confiance des investisseurs et des travailleurs. À Brasilia, Michel Temer a présenté l'équipe gouvernementale qu'il a mise en place en un temps record. Dilma Rousseff a été écartée du pouvoir jeudi matin lorsque les sénateurs ont voté l'ouverture de son procès en destitution pour maquillage de comptes publics et dépenses non autorisées. Elle sera jugée par le Sénat d'ici 180 jours maximum et ses chances de revenir au pouvoir sont extrêmement minces. Mais son successeur par intérim, peut-être jusqu'en 2018, est lui aussi très impopulaire et les défis économiques et sociaux qui l'attendent sont immenses.